Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte et nous allons entendre la suite du premier tour des plaidoiries du Royaume du Cambodge. Je donne à présent la parole au professeur Sorel. Vous avez la parole, monsieur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour, il me revient désormais, pour clore cette journée de plaidoirie, d'expliquer ce qui constitue sans doute le cœur de la contestation de la requête du Cambodge par la Thaïlande, à savoir la question de la lecture isolée ou non du dispositif de l'arrêt du 15 juin 1962, d'où découlent de multiples conséquences qui amènent justement le Cambodge à revenir devant votre cour. Le Cambodge tient à préciser de nouveau qu'il souhaite s'en tenir strictement aux réponses ou absences de réponses au supplément d'information de la Thaïlande du 21 juin 2012. Pour cela, il est nécessaire tout d'abord de revenir sur le raisonnement général suivi par la Thaïlande, ou plutôt sur les points obscurs qui jalonnent ce raisonnement. Le Cambodge pourra alors expliquer en quoi les motifs sont inséparables de la lecture objective du dispositif de l'arrêt de 1962. Les trois conséquences découlent de cette lecture du dispositif en liaison avec les motifs essentiels de l'arrêt. Premièrement, ceci entraîne l'impossibilité d'une définition unilatérale d'une quelconque ligne frontalière à l'encontre des motifs. Deuxièmement, ceci implique également l'impossible distinction entre conflit territorial et conflit frontalier. Troisièmement, ceci révèle la véritable signification de l'accord du 14 juin 2000. Il sera alors temps de s'interroger sur la manière dont la Thaïlande peut parvenir à justifier une telle négation de la réalité. Elle y parvient par une inversion du raisonnement déductif suivi par votre cour, au profit d'un raisonnement inductif qu'elle reconstruit totalement et artificiellement, impliquant de nouveau la tentation d'une refonte de l'arrêt de 1962. Le Cambodge peut en conclure à l'incohérence d'un tel raisonnement, alors qu'il a suivi depuis sa requête une lecture constante des paragraphes 1 et 2 du dispositif de l'arrêt de 1962, liant la nécessité du caractère continu de l'évacuation des troupes thaïlandaises des environs du temple à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Cambodge, que le dispositif de l'arrêt lui reconnaît pleinement et clairement. Donc tout d'abord, les points obscurs dans le raisonnement général de la Thaïlande. Avant de répondre aux observations de la Thaïlande, sans doute est-il utile de résumer rapidement le sens général de son raisonnement. Travail de reconstruction d'arguments disparates ne présentant guère de cohérence. Selon la Thaïlande, il faudrait lire uniquement le dispositif de l'arrêt de 1962, indépendamment des motifs. En revanche, il faudrait relire toute la procédure de 1959 à 1962 pour savoir ce que la Cour a voulu dire. Il paraît pourtant plus simple, justement, de lire les motifs pour savoir ce qu'elle a voulu dire, puisqu'il s'agit de la partie de l'arrêt qui condense le raisonnement suivi par la Cour et sa compréhension de la procédure suivie et des arguments avancés. Il résulte de ce raisonnement de la Thaïlande que les motifs ne serviraient à rien dans un arrêt.
On peut alors se demander pourquoi ils existent et pourquoi les juridictions nationales ont de plus en plus tendance à motiver leurs arrêts, à l'image de ce que fait votre cour depuis l'origine, et ceci pour rendre leurs décisions plus transparentes et plus accessibles aux justiciables. Mais le raisonnement suivi par la Thaïlande possède bien sûr la logique de la justification de sa propre attitude et de sa propre interprétation de l'arrêt de 1962. Si les motifs ne servent à rien, l'État peut donc faire ce qu'il veut sur la base de sa seule compréhension du dispositif. En effet, dès lors, la Thaïlande peut fixer unilatéralement une limite à son territoire aux abords immédiats du temple, selon son interprétation du dispositif de l'arrêt, interprétation qui n'est pas la même que celle du Cambodge. Pour le moins, il y a donc bien un conflit d'interprétation. Mais surtout, la Thaïlande peut le faire à l'encontre des motifs de l'arrêt, puisqu'elle n'accorde aucune signification à ces derniers. Elle ignore ainsi superbement la majeure partie de l'arrêt, fait comme si elle n'existait pas, et décide qu'il n'existe pas de ligne frontalière découlant de cet arrêt, et qu'elle peut donc la tracer comme elle le souhaite. La Cour ne traite effectivement pas de la frontière dans son dispositif. C'est un fait que le Cambodge ne conteste nullement. Elle traite du territoire du Cambodge. Or, ce territoire, comme tout territoire étatique, doit bien avoir une consistance et une limite. La Cour ne place pas le temple à n'importe quel endroit du planisphère, mais bien sur le territoire du Cambodge. Logiquement, les parties aux différends doivent en déduire que non seulement le temple se trouve bien au Cambodge, mais au surplus, ils sont dans l'obligation de savoir où s'arrête le territoire sur lequel le temple a été placé, autrement dit, quelle est la limite de ce territoire. Réduire cette réponse à un simple conflit territorial qui, dans l'idée que s'en fait la Thaïlande, devrait se distinguer nettement d'un conflit frontalier, est un leurre. Ignorer cette réalité, c'est ignorer le raisonnement suivi par la Cour pour parvenir à sa conclusion, et c'est donc ignorer les motifs de l'arrêt. Et puisque la Thaïlande prétend faire un cours théorique sur cet aspect, il faut rappeler que les motifs d'un arrêt précèdent le dispositif, le justifie et l'explique, et non l'inverse. Ce raisonnement suivi par la Thaïlande paraît d'autant plus incongru que cet État a bien finalement accepté la logique de l'arrêt de 1962, en signant en 2000 un accord prévoyant la démarcation de la frontière entre les deux États, notamment dans la région du Temple, par lequel il reconnaît ipso facto qu'une frontière existe déjà, puisque avant de la démarquer et de la borner, il fallait bien qu'elle soit délimitée. Suivant en cela le raisonnement de la Cour en 1962, qui elle-même reconnaît l'existence d'une telle délimitation acceptée par les deux États. Décidément, la cohérence n'est pas au rendez-vous du raisonnement de la Thaïlande, ce qu'il convient désormais d'illustrer par différentes observations. Tout d'abord, le caractère inséparable des motifs et du dispositif qui est nié par la Thaïlande. Si l'on peut résumer brièvement et d'une manière synthétique l'argument de la Thaïlande, la Cour ne peut répondre à la demande d'interprétation du Cambodge. Et si elle répond, elle ne peut le faire positivement, car sa thèse ne serait pas soutenable, puisqu'elle demande une interprétation sur ce qui n'est pas res judicata, autrement dit, ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt de 1962. En l'espèce, la Thaïlande vise clairement la question de la reconnaissance de la ligne de la carte
de l'annexe 1 comme ligne frontalière. Or, pour le Cambodge, la Cour n'a fait que reconnaître une frontière qui existait déjà et était obligatoire avant le prononcé de l'arrêt. Reconnaissance clairement indiquée dans les motifs de l'arrêt qui conditionne la bonne interprétation du dispositif sans laquelle la solution ne peut avoir de fondement. Pour aboutir au résultat qu'elle souhaite, la Thaïlande se lance dans une démonstration à teneur théorique sur la structure d'un arrêt visant à démontrer que le res judicata est circonscrit par le différent initial et le petit homme, ce qui semble inutile puisque le Cambodge ne le conteste pas. Mon collègue, Sir Franklin, a déjà eu l'occasion d'indiquer ce qu'était, aux yeux de la Cour à l'époque, le petit homme du Cambodge et le contre-petit homme de la Thaïlande en 1959. Néanmoins, la Thaïlande explique, et nous laissons de nouveau au greffe le soin d'introduire les notes et références précises dans le compte-rendu de cette plaidoirie, la Thaïlande explique qu'un arrêt est constitué de quatre parties. Cette démonstration comporte bien sûr des éléments exacts, même s'il est plus courant de considérer qu'un arrêt est constitué de trois parties. Mais semble induire que les motifs ne seraient constitués que par les arguments des parties. Or, les motifs contiennent aussi et surtout le raisonnement de la Cour, qui permet de comprendre le dispositif. Les arguments des parties ne sont alors sélectionnés et utilisés que pour construire le raisonnement de la Cour, raisonnement qui débouche logiquement sur le dispositif. La doctrine s'accorde unanimement à reconnaître que la motivation est, je cite, « la présentation par la Cour de l'argumentation juridique en fonction de laquelle elle parvient à ses conclusions ». Ou encore, que l'énoncé d'un arrêt, je cite, « comporte un dispositif et les motifs qui le soutiennent ». Affirmer que les motifs ne seraient qu'un résumé des arguments des parties conduit ainsi à méconnaître la structuration réelle des arrêts de la Cour et l'essence de sa motivation. Que la Thaïlande le veuille ou non, la motivation d'un arrêt n'est pas une possibilité, une option sans conséquence, mais bien une obligation mentionnée sans emphase et sans ambiguïté à l'article 56, paragraphe 1 du statut de la Cour, l'arrêt est motivé. Votre Cour l'a souvent confirmé, comme dans son avis du 12 juillet 1973, où vous affirmez, je cite, « il est de l'essence des décisions judiciaires d'être motivées ». Enfin, faut-il rappeler l'article 95, paragraphe 1 du règlement de la Cour, qui exige notamment que l'arrêt comprenne les motifs de droit. D'ailleurs, la Thaïlande rend, sans doute involontairement, service au Cambodge, lorsqu'elle cite l'affaire entre le Nicaragua et la Colombie, déjà mentionnée par le Cambodge, pour démontrer que l'utilisation des motifs ne sert que pour comprendre ce que la Cour a décidé, car le Cambodge est parfaitement en accord avec ce constat et ne demande rien d'autre. En effet, l'arrêt du 4 mai 2011, concernant la demande d'intervention du Honduras et l'Impide, si, dans le paragraphe 69, votre Cour indique que le dispositif est, je cite, « incontestablement revêtu de l'autorité de choses jugées », dans le paragraphe 70 de ce même arrêt, que la Thaïlande cite d'une manière tronquée, votre Cour mentionne que les motifs qui figurent dans l'arrêt de 2007, je cite, « constituent le support nécessaire du dispositif de cet arrêt », puis mentionne les points qu'elle a développés dans ses motifs, d'une manière précise, faisant comprendre aux requérants qu'ils sont clairs, avant de conclure, et c'est le document qui est désormais à l'écran, je cite, « sans cet exposé des motifs, il pourrait être difficile de comprendre pourquoi la Cour n'a pas fixé dans son arrêt de point terminal. Compte tenu de ces motifs,
la décision à laquelle la Cour est parvenue dans son arrêt de 2007 ne se prête à aucune autre interprétation. C'est parfaitement et exactement ce que le Cambodge souhaite et indique dans la présente requête, à savoir que sans l'exposé des motifs, pour reprendre l'expression, il pourrait être difficile de comprendre ce qu'est le territoire sur lequel le temple est situé et ce que sont les environs du temple, et que, compte tenu de ces motifs, la décision prise en 1962 dans son dispositif ne se prête, selon le Cambodge, à aucune autre interprétation. Mais surtout, votre cours démontre ainsi sans aucune ambiguïté qu'une décision ne s'impose et ne s'explique dans un dispositif que si elle est soutenue par des motifs qui la justifient et qui, par voie de conséquence, s'impose aux parties pour comprendre le sens exact du dispositif. Les motifs deviennent obligatoires, non pas parce qu'ils sont res judicata, mais parce qu'ils sont indispensables à la compréhension du dispositif. Ceci n'est d'ailleurs pas récent dans la jurisprudence de votre cour depuis votre avis dans l'affaire du service postal polonais à Danzig. C'est sans doute pour cette raison que la Thaïlande semble vouloir ignorer des décisions de votre cour que le Cambodge a déjà rappelées et dans lesquelles celle-ci explique clairement et simplement l'importance des motifs essentiels d'un arrêt pour son interprétation. À cet égard, le Cambodge permet de rappeler une citation concernant l'affaire de la demande en interprétation entre le Cameroun et le Nigeria. Je cite « Toute demande en interprétation doit porter sur le dispositif de l'arrêt et ne peut concerner les motifs que dans la mesure où ceux-ci sont inséparables du dispositif. » Enfin, faut-il également rappeler que c'est exactement ce que dit votre cour dans l'ordonnance du 18 juillet 2011 dans la présente affaire. Je cite « Il est constant qu'une contestation au sens de l'article 60 du statut doit porter sur le dispositif de l'arrêt en cause et ne peut concerner les motifs que dans la mesure où ceux-ci sont inséparables du dispositif. » Il est en revanche dommage de constater que la Thaïlande ignore totalement et balaye d'un trait de plume la jurisprudence des tribunaux arbitraux et de toutes les autres juridictions internationales citées par le Cambodge qui, unanimement, donnent au motif la valeur que votre cour leur accorde depuis l'origine. Sans doute, la Thaïlande préfère-t-elle ignorer ce mouvement général dans la procédure initié par votre cour qui devient un véritable principe commun à toutes les juridictions internationales lorsqu'elles sont confrontées à une question d'interprétation de leurs décisions. La doctrine semble également pleinement en accord avec ce constat de bon sens. Dans un excellent manuel français de droit international, on peut ainsi lire à propos de la portée d'un arrêt de la Cour, je cite, « Il est obligatoire et définitif et jouit de l'autorité de la chose jugée. Cette force juridique s'attache indiscutablement au dispositif de l'arrêt. On admet qu'elle bénéficie également aux éléments de l'exposé des motifs qui sont indispensables pour justifier le dispositif. » Fin de citation. Il en ressort que c'est bien la Cour qui décide ce qui est obligatoire et indispensable à la lecture et à la compréhension d'un arrêt en fonction de l'importance qu'elle accorde aux motifs qui soutiennent le dispositif. En réalité, la Thaïlande souhaite surtout insinuer qu'un arrêt serait composé de parties distinctes sans lien les unes avec les autres. Autrement dit, la Cour développerait une motivation, puis passerait à sa décision au dispositif, sans qu'un lien puisse être établi entre ces deux aspects. Il n'en est bien sûr rien, mais c'est sans doute pour cette raison que la Thaïlande réagit aussi vivement à la manière dont le Cambodge explique la liaison entre les motifs et le dispositif,
à travers des expressions doctrinales telles que motif décisoire ou dispositif implicite. En l'espèce, la Thaïlande feint de croire que le Cambodge aurait créé de nouvelles catégories juridiques, alors qu'il ne s'agit que de l'expression doctrinale d'une certaine réalité. C'est l'affaire de la doctrine et non de la Cour de synthétiser des réalités juridiques. Et il n'y a pas lieu de s'en émouvoir, ni a fortiori, de dénoncer une révolution juridique alors qu'il ne s'agit que de symboliser une réalité prégnante et incontestable, la liaison entre les motifs essentiels d'une décision et le dispositif qui en découle. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit nullement de créer de nouveaux droits à travers cette analyse, contrairement à ce que prétend la Thaïlande, mais simplement de signifier que la Cour peut reconnaître des droits qui préexistent à l'affaire pour les insérer dans son raisonnement, et c'est bien ce qu'elle a fait en l'espèce. Elle ne crée rien, elle reconnaît la validité de ce qui a antérieurement, été créé, à savoir une frontière établie sur une carte acceptée par les deux parties. La Thaïlande semble ainsi signifier que la Cour ne peut évoluer, qu'elle doit rester figée dans un schéma immuable. Que la Thaïlande le veuille ou non, le monde bouge et la jurisprudence de la Cour démontre une remarquable adaptation aux évolutions du droit et de la manière de le comprendre et de l'appliquer. Mais, en l'espèce, le Cambodge ne provoque aucune innovation juridique. Il ne dit pas que les motifs sont res judicata. Il dit que certains motifs comportent des obligations pour les parties, simplement parce que la Cour ne fait que reconnaître une obligation préexistante à sa décision. Obligation qui va s'insérer dans la décision qu'elle prendra. En outre, la prise en compte de ces obligations préexistantes, quelle que soit la nature de celle-ci, est indispensable à la lecture et à la compréhension du dispositif. Il s'agit du ratio decidendi au sens de la raison essentielle de décider. Si l'acte de juger est bien celui de décider d'un résultat, cela est la conséquence de décisions prises au cours du processus de motivation pour aboutir à ce résultat. Sans doute, la Thaïlande confond entre les décisions et la chose jugée, tout comme elle confond entre la raison de décider et la décision finale. Si la chose jugée est la décision ultime, ce n'est pas la décision unique. C'est exactement le sens qu'il faut donner à l'expression « autorité de chose décidée », là aussi contestée par la Thaïlande, que l'on peut d'ailleurs rapprocher de ce qui fut qualifié de motif décisoire. Le Cambodge n'a jamais affirmé qu'il s'agissait d'une chose jugée, mais simplement décidée. C'est-à-dire que la Cour reconnaît, décide, comme valable, une obligation préexistante entre les parties. Une nouvelle fois, il ne s'agit en aucun cas de créer des droits nouveaux, mais au contraire, de reconnaître ceux existants. Des auteurs ont consacré des travaux à la question de l'autorité de la chose décidée, et notamment en droit international. Leurs propos étaient bien sûr plus larges et même différents de l'affaire qui nous occupe. Néanmoins, ils n'écartent pas l'hypothèse de la jurisprudence de votre cour, notamment en estimant que les ordonnances en indication de mesures conservatoires ont toujours été revêtues de cette autorité de chose décidée avant que votre cour n'affirme dans l'arrêt Lagrand le caractère obligatoire de celle-ci. Cet arrêt permet par ailleurs à votre cour de préciser certains aspects juridiques nouveaux, car, comme elle l'indique, elle n'avait jamais été saisie des effets juridiques de ces ordonnances auparavant. Replacé dans le cadre de notre affaire, que cela veut-il dire ?
que la Cour possède non seulement un pouvoir implicite, mais au surplus inhérent, d'interpréter tous les faits et tous les traités qui se présentent à elle dans une affaire et de constituer ses motifs selon le choix qu'elle opère. Que ces motifs représentent une suite de décisions dans l'objectif de parvenir à une solution. Que chaque décision prise dans ce cadre possède bien une autorité qui, sinon, ne permettrait pas de parvenir à l'autorité finale de la chose jugée contenue dans le dispositif. Dès lors, le Cambodge ne dit pas que les motifs possèdent l'autorité de choses jugées, mais qu'ils possèdent bien, par les décisions et interprétations qu'ils impliquent dans le raisonnement de la Cour, l'autorité d'une chose décidée au sein de votre Cour pour parvenir à l'autorité de choses jugées du dispositif qui, à défaut, se trouverait privée de fondement. On ne passe pas impunément du non-droit au droit, du facultatif à l'obligatoire. Les nuances sont plus fines et toute décision préparatoire à un jugement final ne peut être écartée sous prétexte qu'elle est en amont du dispositif final. Car en aval, c'est-à-dire lorsqu'il est nécessaire de confronter l'arrêt à la réalité, elle redevient indispensable. À défaut, cela voudrait dire que la Cour raisonne par tâtonnement, par intuition, autrement dit d'une manière inductive, avant que la décision finale ne soit prise. Ce qui est d'ailleurs l'opinion que la Thaïlande se fait du travail de la Cour, comme nous le verrons. Or, la décision n'est jamais prise de cette manière. Elle est étayée, justifiée, basée sur un raisonnement construit à partir de certitudes et non de tâtonnements ou d'hésitations. Que les fondations n'apparaissent plus quand la maison est finie est logique. Il n'empêche qu'il a bien fallu ces fondations pour bâtir les murs et que sans celles-ci, la maison s'écroulerait. Contrairement à ce que sous-entend la Thaïlande, ceci n'a rien de récent ni de révolutionnaire. Le Cambodge souhaite à cet égard rappeler que dans l'affaire de l'interprétation des arrêts numéro 7 et 8, usine de Chorzo, la Cour permanente indiquait, désormais sur vos écrans, je cite, « Cela ne veut pas dire qu'ils doivent être incontestés que le point dont le sens prête à discussion regarde une partie de l'arrêt ayant force obligatoire. Une divergence de vue, si tel ou tel point a été décidé avec force obligatoire, constitue, elle aussi, un cas qui rentre dans le cadre de la disposition en question. Et la Cour ne pourrait se soustraire à l'obligation d'interpréter l'arrêt dans la mesure nécessaire pour pouvoir se prononcer sur pareille divergence. Le point qui mérite particulièrement d'être souligné est que la Cour permanente distingue la partie ayant force obligatoire, autrement dit autorité de choses jugées ou res judicata, des points, je cite, « décidés avec force obligatoire » qui concernent clairement des aspects contenus dans les motifs de l'arrêt. Il apparaît donc, pour la Cour permanente, que votre juridiction peut prendre des décisions ayant force obligatoire dans les motifs, décisions qui mériteront éventuellement d'être éclairées et qui soutiennent la partie ayant autorité de choses jugées. On peut donc les qualifier de motifs ayant l'autorité de choses décidées. Même l'opinion dissidente du juge Anzilotti dans la même affaire ne va pas à l'encontre d'une telle vision, puisqu'il pouvait affirmer, je cite, « En disant que seul le dispositif de l'arrêt est obligatoire, je n'entends pas dire que seulement ce qui est matériellement écrit dans le dispositif constitue la décision de la Cour. Il est certain, par contre, qu'il est presque toujours nécessaire d'avoir recours au motif pour bien comprendre le dispositif et surtout pour déterminer la causa petendi. Mais, en tout état de cause, c'est le dispositif
qui contient la décision obligatoire de la Cour et qui, partant, peut faire l'objet d'une demande en interprétation. Ce que la Thaïlande semble finalement nier, c'est la liberté pour le juge de choisir ses motifs. Et là aussi, la Thaïlande feint de mal comprendre. Dans sa réponse, le Cambodge signifiait simplement que la Cour avait choisi dans son arrêt de 1962 de mettre en avant la carte de l'annexe 1 comme étant un élément pertinent et primordial pour sa décision, et non qu'elle avait la liberté de choisir n'importe quel motif. Or, la Cour a bien fait le choix de mettre en avant la carte de l'annexe 1 comme élément pertinent et primordial. Contrairement à ce que laisse comprendre la Thaïlande, qui indique que, je cite, « la carte de l'annexe 1 est elle-même soumise à interprétation ». Le Cambodge ne prétend pas que la carte doit être interprétée. Il dit que pour interpréter le dispositif et savoir en quoi consiste le territoire du Cambodge et où s'arrêtent les environs, il fallait tenir compte de la carte qui, dans les motifs, explique la décision de la Cour. La Thaïlande crée ainsi une confusion permanente en essayant de faire croire que c'est la carte qui doit être interprétée et qu'elle se trouverait ainsi au centre de cette interprétation, alors que le Cambodge ne souhaite, une fois de plus, qu'indiquer à la Cour les éléments qu'elle a elle-même considérés comme étant une donnée indispensable pour répondre à la question qui lui était posée en 1962. La carte est une donnée qui s'insère dans un raisonnement. Elle n'a pas en elle-même à être interprétée. C'est bien le raisonnement global qui doit l'être. Tout comme le Cambodge ne demande pas que soit interprétée la carte de l'annexe 1, il ne demande pas non plus que soit interprétée la frontière qui en découle. Au risque de paraître répétitif, il faut rappeler que la Cour reconnaît, mais ne crée pas, en 1962, une frontière qui existe déjà et que les deux parties ont déjà acceptée. Dès lors, il n'est pas nécessaire de disserter sur le caractère obligatoire de la ligne frontalière ou de la carte qui y est associée, qui possède pour cette dernière, comme l'indique la Cour en 1962, un caractère conventionnel, puisque déjà en 1962, la Cour les considérait comme établis. Et puisque la Thaïlande aime les statistiques, il est nécessaire de rappeler que dans les motifs, la Cour en 1962 utilise plus de 120 fois le mot « frontière » et qu'elle cite une vingtaine de fois la carte de l'annexe 1. C'est une affaire entendue et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En revanche, elle fait bien peu de cas des autres motifs dont la Thaïlande cherche à nous démontrer qu'ils auraient été prépondérants, comme nous le verrons. Pour démontrer l'importance fondamentale de la question de la frontière et de la carte de l'annexe 1 dans le raisonnement de la Cour en 1962, il est tout simplement possible de se reporter au résumé sous forme de lignes directrices publiées par la Cour elle-même, sous l'autorité et avec l'autorisation de son président, en tête de l'arrêt. En l'espèce, l'en-tête de l'arrêt du 15 juin 1962 est particulièrement significatif, vous l'avez désormais sur vos écrans. Sans devoir le répéter, l'en-tête qui synthétise l'arrêt à venir ne laisse aucune ambiguïté sur le sens de son raisonnement. Elle y mentionne notamment l'acceptation par les parties de la carte de l'annexe 1 et de la frontière, la conduite subséquente qui empêche de contester une telle position, mais surtout qu'elle va procéder à l'interprétation du règlement conventionnel considéré dans son ensemble, y compris la carte, c'est la dernière phrase. Il est symptomatique de remarquer que ce résumé, qui ne mentionne même pas le temple,
est entièrement consacré à ce qui sera le motif essentiel de sa décision. Il ne semble pas au Cambodge que ceci nécessite des commentaires supplémentaires, ce résumé parlant de lui-même. Le Cambodge ne demande donc pas à la Cour, dans la présente instance, qu'elle détermine une frontière, mais qu'elle dise que les environs du temple, situés en territoire cambodgien, correspondent bien à la ligne de la carte de l'annexe 1, selon une interprétation tenant compte de l'effet utile, entendu au sens d'une interprétation qui puisse recevoir une application effective, que l'on doit donner au dispositif de l'arrêt de 1962. Ce n'est donc pas une délimitation, mais c'est bien une interprétation qui est demandée. En séparant strictement les motifs du dispositif, la Thaïlande ne parvient finalement pas à combler le chaînon manquant de son raisonnement. Tout comme en 1962, ces contradictions étaient apparues au juge. Il explique ainsi que la Cour a considéré, en 1962, qu'il n'était pas nécessaire de définir ce qu'était le territoire du Cambodge, et donc les environs du temple, pour, je cite, « la compréhension et l'exécution de l'arrêt », et que la délimitation de la frontière n'était donc pas nécessaire pour, je cite de nouveau la Thaïlande, « l'adoption et l'exécution de l'arrêt ». Ceci paraît assez extraordinaire, car cela revient à admettre que la Cour, en 1962, dit qu'il existe un territoire cambodgien sur lequel se trouve le temple, mais estime inutile de dire où sont les limites de ce territoire pour, je cite, « la compréhension et l'exécution de l'arrêt ». Pourquoi la Cour resterait-elle ainsi au milieu du gué dans un inconfort à la fois pour elle et surtout pour les parties? Cela reviendrait à synthétiser la décision de la Cour de cette manière simplifiée. En substance, elle aurait dit au Cambodge, le temple est à vous. Vous avez un territoire sur lequel se trouve le temple, mais on ne vous dit pas quelles sont les limites de ce territoire. En réalité, la Cour a estimé que ce territoire était déjà délimité et qu'il n'était pas nécessaire de le préciser, ce qui semble au Cambodge être l'interprétation la plus plausible et surtout la plus conforme à l'attachement que la Cour porte à la stabilité et à l'intégrité des territoires étatiques dans sa jurisprudence. En aucun cas, la Cour ne peut avoir laissé les parties dans l'incertitude. Découle de cette liaison entre les motifs et le dispositif, plusieurs conséquences. La première, c'est l'impossibilité d'une définition unilatérale d'une frontière à l'encontre, justement, de ces motifs. En 1962, juste après l'arrêt, la Thaïlande décide unilatéralement de définir la limite de son territoire à proximité immédiate du temple, et le fait d'une manière minimaliste en interprétant le dispositif, sans qu'aucune justification juridique n'apparaisse. Elle affirme aujourd'hui de nouveau, je cite, « le gouvernement thaïlandais a dû décider lui-même des limites desquelles retirer ses troupes ». D'où la résolution du Conseil des ministres et la pose des barbelés qui s'en suivirent. Comme mes collègues ont pu le noter ce matin, le dispositif de l'arrêt de 1962 n'était alors pas clair comme de l'eau de roche pour la Thaïlande, et ceci ressort très nettement des hésitations et interprétations discutées par la Thaïlande en 1962. L'interprétation unilatérale faite par la Thaïlande est aujourd'hui présentée comme évidente, alors qu'elle prouve au contraire la confusion entre plusieurs options et les incertitudes sur l'interprétation de l'arrêt
de 1962. Ce qui apparaît surtout clairement, c'est la triple méprise de la Thaïlande dans ce processus. Premièrement, elle ne sait comment interpréter le dispositif de l'arrêt. Deuxièmement, elle décide finalement de fixer unilatéralement une limite sans aucune concertation avec le Cambodge, ce qui semble être la violation d'une règle élémentaire et immuable, une frontière se fixe pour le moins à deux. Sauf, bien sûr, en cas de conquête ou de domination impériale. Mais ce temps est révolu et le processus devant la Cour n'avait certainement pas cet objectif. Troisièmement, la Thaïlande fixe cette limite à l'encontre des motifs de l'arrêt, ce qui est contraire à l'interprétation la plus élémentaire de l'arrêt de 1962. Dès lors, quelle est la compétence d'un État pour définir unilatéralement la limite d'un territoire sur la base d'un arrêt qui dit autre chose et sans consulter l'autre État? À cette interrogation majeure, la Thaïlande n'apporte aucune réponse crédible. La Thaïlande semble juste nous expliquer qu'il ne s'agirait finalement pas d'une frontière, mais d'une simple limite correspondant à la ligne au-delà de laquelle les troupes doivent se retirer, et ceci parce que la frontière resterait à délimiter dans le processus de l'accord signé en 2000 avec le Cambodge, comme mon collègue Sir Franklin l'a indiqué ce matin. Outre qu'il y aura lieu de revenir sur le sens de cet accord, que la Thaïlande falsifie en permanence, et qui n'est aucunement un accord visant à délimiter une frontière, elle n'explique toujours pas pourquoi elle trace cette limite d'une manière contraire au motif de l'arrêt, ni comment un État peut unilatéralement et sans concertation déterminer une telle limite, même provisoire, dont elle entend bien faire en réalité une frontière. En effet, comment ne pas y voir une véritable ligne frontalière dans la volonté de la Thaïlande de l'imposer à tout prix en dépit de ses dénégations? Comment envisager que la fameuse pancarte posée par la Thaïlande pour signifier cette limite aurait été symbolique? Autrement dit, comment imaginer qu'on ne se trouvait pas dans un autre État derrière cette pancarte? Dans l'avis consultatif du 9 juillet 2004, à propos des conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, votre Cour est confrontée à la question d'une barrière provisoire qui ressemble fortement à une frontière. Et, tout en notant les assurances données sur le caractère temporaire de la construction de ce mur, votre Cour indique, je cite, « La Cour ne saurait pour autant rester indifférente à certaines craintes exprimées devant elle, d'après lesquelles le tracé du mur préjugerait la frontière future entre Israël et la Palestine, et à la crainte qu'Israël pourrait intégrer les colonies de peuplement et les voies de circulation les desservant. La Cour estime que la construction du mur et le régime qui lui est associé créent sur le terrain un fait accompli qui pourrait fort bien devenir permanent, auquel cas, et nonobstant la description officielle qu'Israël donne du mur, la construction de celui-ci équivaudrait à une annexion de facto. Le Cambodge, dans un contexte certes très différent, pouvait également craindre que la barrière de barbelés édifiée par la Thaïlande ne constitue de facto une annexion d'une partie de son territoire et ne symbolise une frontière plus qu'une simple séparation. Le mystère demeure par conséquent, et il serait logique que la Thaïlande puisse nous expliquer en vertu de quel raisonnement juridique elle peut ignorer les motifs de l'arrêt et les remplacer par ses propres motifs. Puisque la Cour dit que la frontière
a déjà été accepté avant 1962, n'aurait-il pas été plus logique, simple et surtout conforme au droit, de décider le retrait des troupes des environs du temple jusqu'à cette ligne? Contrairement à ce que prétend la Thaïlande, le Cambodge ne dit pas qu'en 1962, la question posée était celle de la frontière. Il dit que pour répondre à la question de l'appartenance du temple, il fallait savoir où passe la frontière et qu'il s'agit bien du principal point débattu dans les motifs de l'arrêt et que ceci ne peut être ignoré par la Thaïlande, alors qu'elle prétend appliquer l'arrêt selon ce que la Cour ne dit pas et ignore ce qu'elle dit. Il y a donc bien, pour le moins, un problème d'interprétation de l'arrêt. En clair et d'une manière synthétique, la Thaïlande refuse de prendre en compte la ligne de la carte de l'annexe 1 comme frontière, alors que la Cour l'y oblige, par le caractère obligatoire qu'elle donne à la reconnaissance de cette limite dans ses motifs, mais se trouve également dans l'incapacité de justifier l'autre ligne qu'elle choisit, si ce n'est au regard de son échec dans l'arrêt de 1962, puisque, en dehors du temple lui-même, elle définit bien cette limite selon ce qu'elle souhaite obtenir en 1962. Or, parmi les solutions que votre cour peut adopter, il est certain que la Thaïlande ne peut obtenir comme elle le souhaite, comme elle semble le souhaiter, sur la base de votre interprétation, la ligne définie par le Conseil des ministres thaïlandais en 1962, puisque cette ligne va à l'encontre des motifs de l'arrêt. Comment votre cour pourrait-elle, sur la base de la seule interprétation du dispositif de l'arrêt, décider que la ligne frontalière unilatéralement définie par la Thaïlande, selon ce qu'elle souhaite obtenir en 1962 et qu'elle n'a pas obtenu, puisse être reconnue comme découlant de l'arrêt? Ceci est impossible et c'est pour le moins une certitude qui démontre cependant à quel point la Thaïlande adopte un raisonnement en dehors de la réalité. J'en viens à une autre conséquence, la question de la négation de la similitude entre conflit territorial et conflit frontalier. Dans son supplément d'information, la Thaïlande fait une nouvelle tentative pour séparer strictement un conflit d'attribution de territoire d'un conflit de délimitation ou frontalier. En effet, la Thaïlande cherche à démontrer à de nombreuses reprises la restriction de l'arrêt de 1962 au seul différend concernant la souveraineté sur le temple, donc un litige sur la souveraineté territoriale et non sur la délimitation des frontières. Le Cambodge se doit de répéter une nouvelle fois, comme il l'avait mentionné dans ses observations écrites, qu'il ne prétend pas modifier le sens du différend en 1962 et qu'il ne prétend pas qu'il s'agissait alors d'un différend uniquement frontalier. Ce que le Cambodge affirme en revanche, et ceci à l'appui d'une jurisprudence de votre cour qui reste superbement ignorée par la Thaïlande, c'est que la nature du différend ne modifie pas pratiquement le résultat concret auquel on peut parvenir. Un différend portant sur la délimitation d'une frontière débouche directement sur la fixation de cette frontière. Mais un différend portant sur l'attribution de territoire débouche immanquablement également sur l'établissement ou la reconnaissance d'une limite. Sans doute peut-on établir une distinction qui portera sur la manière dont le juge va établir sa méthode, mais non sur le résultat concret auquel on parviendra. À défaut, cela signifierait que le juge attribue des territoires sans définir de limite à ces territoires, ce qui ne manquerait pas de trancher un litige d'une manière imparfaite,
renvoyant les parties à la plus grande incertitude à l'issue d'un arrêt. La jurisprudence de votre cour, oubliée par la Thaïlande, ne cesse de rappeler logiquement ce constat de bon sens et la coïncidence des résultats entre les deux types de contentieux. À cet égard, le Cambodge se contentera de rappeler la phrase pertinente de l'arrêt de votre cour dans l'affaire du différend frontalier que vous avez désormais sur vos écrans. Je cite « L'effet d'une décision judiciaire, qu'elle soit rendue dans un conflit d'attribution territoriale ou dans un conflit de délimitation, est nécessairement d'établir une frontière. » En l'espèce, la Thaïlande semble s'offusquer que le Cambodge puisse prétendre que la Cour s'est préoccupée de savoir où passer la frontière pour définir à qui appartenait la zone en litige, sur laquelle se trouvait le temple. Mais ceci ne signifie pas qu'elle ne définira pas la zone en question, mais que dans le processus, cela l'amène à s'intéresser à la frontière pour en faire découler la zone. Au surplus, la Thaïlande prétend non seulement que le Cambodge ramène ceci à un unique conflit frontalier, mais également que le Cambodge souhaite ainsi étendre son territoire à la suite du classement du temple au patrimoine mondial de l'UNESCO. Or, il s'agit bien d'une inversion de l'histoire, puisque les agressions armées thaïlandaises reprennent justement à ce moment-là, c'est-à-dire à partir du classement officiel du temple de Preah Vihear en 2008. Dès lors, comment accuser le Cambodge de vouloir étendre son territoire si on envahit soi-même le territoire du Cambodge ? Étrange argument une fois de plus, puisque cela voudrait dire que la Thaïlande se rend compte d'un seul coup que le Cambodge exerçait paisiblement sa souveraineté sur une portion de territoire que la Thaïlande considère désormais comme étant le sien. Chacun l'aura compris. En réalité, le Cambodge, lors de ce classement du temple au patrimoine mondial de l'UNESCO, ne fait qu'exercer sa compétence souveraine sur son propre territoire, ce qui n'était pas contesté par la Thaïlande auparavant. Mais il est également aisé de remarquer que la question du classement du temple au patrimoine de l'UNESCO est finalement très peu abordée par la Thaïlande. Comme si cet État souhaitait faire oublier ses dérives dans ce cadre, pourtant à l'origine de la requête du Cambodge et de la demande en indication de mesures conservatoires. Il est vrai que dans la tentative de cohérence des arguments de la Thaïlande, il s'agit d'épisodes qu'elle préfère oublié. J'en viens à une autre conséquence, celle de la véritable signification de l'accord du 14 juin 2000. Comme ceci a pu être signalé par mon collègue Rodman Bondy, pour parvenir à ses fins, la Thaïlande doit travestir la signification pourtant claire de l'accord du 14 juin 2000 entre les deux États à propos de leurs frontières communes. Alors qu'il s'agit d'un accord portant sur la démarcation de la frontière, la Thaïlande insinue qu'il s'agirait d'un accord sur la délimitation de la frontière. La manœuvre est certes grossière, mais elle est répétée à plusieurs reprises dans l'objectif de créer une confusion en assimilant les deux opérations et surtout dans l'objectif de convaincre que la frontière reste à délimiter alors qu'il s'agit juste de la démarquer. Quelle est finalement la signification que la Thaïlande donne à cet accord ? Celui d'un accord qui viendrait délimiter la frontière, comme si aucun acte juridique n'avait existé avant 2000 dans ce cadre, et surtout comme si la Cour n'avait effectué aucun constat sur cette frontière dans son arrêt de 1962. Ainsi, la Thaïlande estime que s'il existe un conflit frontalier, l'accord du 14 juin 2000 doit s'appliquer et que la Cour ne peut s'y substituer. Décidément,
la Thaïlande a bien du mal à reconstituer sa propre histoire, y compris récente. La Thaïlande oublie en effet que cet accord est intervenu dans un contexte paisible, au moment où la Thaïlande acceptait la manière par le Cambodge de comprendre l'arrêt de 1962, autrement dit, au moment où la Thaïlande se trouvait en dehors du périmètre délimité par la frontière de la carte de l'annexe 1. Cet accord, comme on le sait, mentionne la prise en compte des cartes résultant du processus entre 1904 et 1907, et précisément les cartes au 1/200 millième, parmi lesquelles figure la carte de l'annexe 1. Mais sans doute, pour parer à une contradiction sur ce point, la Thaïlande affirme également que le Cambodge aurait rejeté le processus de cet accord en 2007, ce qui n'a aucun fondement, les procès-verbaux des réunions successives prouvant qu'il n'en est rien. Simplement, le Cambodge devait attendre à chaque fois que les organes internes thaïlandais approuvent chaque communiqué, ce qui, telle l'Arlésienne, ne venait jamais en raison de dissensions internes ou d'une volonté de bloquer le processus. Chaque réunion servait finalement à constater que le processus était bloqué, faute de cet aval interne, et c'est donc bien la Thaïlande qui, réagissant à ce qui fut probablement considéré comme une erreur, a fait en sorte que le processus n'évolue pas. La Thaïlande ne dit rien sur les raisons pour lesquelles la procédure traîne depuis plus de 10 ans, en attendant un soi-disant aval de son Parlement qui ne vient jamais, ni comment le pouvoir civil ne semble pouvoir contrôler le pouvoir militaire quasi autonome dans la région du Temple. Cette situation semble malheureusement se reproduire pour l'application de la zone démilitarisée provisoire, imposée par votre cour dans son ordonnance du 18 juillet 2011, comme l'agent du Cambodge l'a indiqué. Il est vrai que cet accord présente bien des problèmes pour la Thaïlande, car il se présente comme la suite logique de l'arrêt de 1962, conformément à l'interprétation que le Cambodge en donne. Au surplus, l'accord lui-même ne fait pas allusion à la carte unilatérale de la Thaïlande de 2007, reflétant la position de son Conseil des ministres de 1962. La fameuse carte L70-17, document numéro 13 dans votre dossier, dont la Thaïlande nous dit qu'elle préexiste à l'accord, puisqu'elle daterait de 1978 et aurait été donnée au Cambodge en 2005, mais dont le Cambodge n'a eu connaissance qu'en 2007, n'est pas mentionnée dans l'accord du 14 juin 2000. Voilà qui est étrange. Alors que les cartes au 1/200 millième, dont celle qui fut qualifiée d'annexe 1 devant votre cour, figurent bien dans la liste des cartes pertinentes de cet accord. Il serait nécessaire que la Thaïlande nous explique, et c'est une question claire et précise, que le Cambodge pose directement à la Thaïlande en espérant une réponse lors de la suite de ses plaidoiries. Comment cette carte, qui reflète selon elle sa position constante et qui aurait été établie dès 1978, donc 22 ans avant la signature de l'accord de 2000, ne figure pas dans cet accord? Pour le moins, la Thaïlande aurait dû s'en apercevoir si sa revendication avait été aussi constante qu'elle le dit. Cette cascade de contradictions laisse perplexe sur la date, les fondements et le rôle que la Thaïlande souhaite donner à cette carte. La seule explication plausible semble être l'inconstance de la Thaïlande. Protestant juste après l'arrêt de 1962, puis l'acceptant durant une longue période, selon l'interprétation que le Cambodge en fait, avant de protester de nouveau à partir du processus du classement du temple au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans un volte-face conduisant le Cambodge à revenir devant votre cour. Nous sommes donc en quelque sorte hors sujet.
Car si le Cambodge affirme bien que la Cour reconnaît l'existence d'une frontière dans son arrêt de 1962, il ne demande nullement à la Cour de se préoccuper de la démarcation sur le terrain qui en découlerait aujourd'hui. D'autant que cet accord est intervenu près de 40 ans après l'arrêt et n'interfère donc pas dans l'interprétation de l'arrêt de 1962, mais représente simplement un fait qui prouve la pratique subséquente suite à l'arrêt et démontre qu'à défaut d'une compréhension commune, il y a bien une question d'interprétation qui se pose. Il n'y a en l'espèce aucune incohérence du Cambodge. Il confirme ici que ce qui s'est produit avant le prononcé de l'arrêt n'est pas pertinent pour l'interprétation et que ce qui s'est produit après l'arrêt ne doit servir qu'à démontrer l'existence d'un différend, comme mon collègue Rodman Bondé a eu l'occasion de l'expliquer précédemment. Que reste-t-il ? Il reste l'arrêt de 1962. Rien que l'arrêt, mais tout l'arrêt. De manière à ce que la Cour puisse parvenir à une interprétation logique du dispositif de celui-ci. Pourquoi en est-on arrivé à cet étrange argumentaire de la Thaïlande ? J'en arrive maintenant à la question de l'inversion par la Thaïlande du raisonnement déductif de l'arrêt de 1962 au profit d'un raisonnement inductif. Il s'agit sans doute d'un des aspects les plus pernicieux de l'argumentaire de la Thaïlande, car il faut le déceler entre les lignes. Et il n'apparaît pas au grand jour, mais seulement par déduction. En effet, la Thaïlande inverse sans cesse le raisonnement de la Cour pour retirer au motif essentiel une quelconque importance. Alors que votre Cour raisonne d'une manière déductive. Autrement dit, elle accumule les éléments qui lui permettront de déduire la bonne solution et de parvenir à sa décision. La Thaïlande laisse à penser que votre Cour a, au contraire, utilisé un raisonnement inductif formel, autrement dit, aurait décidé que le temple appartenait au Cambodge et aurait ensuite construit son raisonnement sur ses prémices. Cette inversion a l'avantage pour la Thaïlande de signifier que la ligne de la carte de l'annexe 1 ne serait pas un élément déterminant, mais aurait simplement servi à conforter la décision de la Cour, voire que la Cour pouvait, en 1962, se passer de ce constat. Ainsi, la Thaïlande prétend que la carte a servi seulement parce qu'elle met le temple du côté cambodgien, alors que la Cour, à l'inverse, reconnaît l'existence d'une frontière et en déduit donc que le temple est au Cambodge. En quelque sorte, pour la Thaïlande, la Cour aurait donné le temple au Cambodge sur quelques preuves éparses, la visite du prince d'Amrong en 1930, la commission de Washington en 1947, l'attitude qu'elle reconnaît inappropriée de la Thaïlande suite à la présence de la France sur le site du temple, etc. Preuve en réalité complémentaire et non décisive, dont la Cour indique par ailleurs qu'elle confirme l'attitude de la Thaïlande face à ce que la Cour qualifie de problème essentiel, autrement dit l'acceptation par les parties de la carte de l'annexe 1 comme représentant la frontière entre les deux États. Mais pour la Thaïlande, la Cour se serait soudainement aperçue que le temple se trouvait du bon côté d'une carte frontalière, ce qui aurait confirmé son intuition. Et selon cet état, la Cour aurait utilisé d'autres motifs, indépendamment de la carte de l'annexe 1, qui l'aurait conduit à répondre à la question de la souveraineté sur le temple. Comme mon collègue Sir Franklin l'a indiqué ce matin,
Ceci prouve, pour le moins, que la Thaïlande, contrairement à sa volonté affichée d'établir une stricte séparation entre les motifs et le dispositif, utilise elle aussi des motifs pour expliquer le dispositif. Mais elle contourne de la sorte le motif essentiel par l'utilisation de motifs secondaires. Ceci est parfaitement résumé lorsque la Thaïlande affirme, je cite, « Si l'on fait abstraction de la carte de l'annexe 1, le résultat reste donc inchangé. Le temple est situé en territoire cambodgien. » Fin de citation. Ce qui revient à dire que la Cour aurait tenu compte de nombreux éléments, mais à aucun moment, de là où passe la frontière, sauf pour se convaincre, in fine, que sa solution intuitive était la bonne. Ce n'est pourtant pas ce que laisse comprendre l'en-tête de l'arrêt précité établi par votre cour, qui, malheureusement pour la Thaïlande, ne cite que la question du règlement conventionnel concernant la frontière et la carte, mais aucunement, les fameuses preuves décisives invoquées par cet État. De même, la Thaïlande nous explique que le Cambodge prétend que la ligne de la carte de l'annexe 1, je cite, confirme le dispositif. Outre que la Thaïlande fait dire au Cambodge ce qu'il n'a jamais présenté de cette manière, la carte ne le confirme pas, elle l'explique. Une nouvelle fois, la Thaïlande confond la cause et les conséquences, le déductif et l'inductif. Prétendre que la carte confirme le dispositif revient à dire que c'est le dernier maillon d'une chaîne qui permet de conclure définitivement à une solution à partir d'une intuition. Mais si, comme le Cambodge en est convaincu, la carte explique et justifie le dispositif, cette carte est bien à l'origine de la déduction qui amènera la Cour à sa solution en 1962. La Cour ne part pas d'un résultat pour le justifier, le confirmer. À l'inverse, elle arrive au résultat par un raisonnement qui l'explique. C'est le propre du syllogisme judiciaire qui fait de la motivation une explication, une justification, mais surtout une déduction par une démonstration qui tient compte des finalités de la règle à interpréter au sens téléologique du terme. Or, la Thaïlande semble privilégier une vision figée, peu réaliste, d'un raisonnement inversé, ignorant les causes profondes de la solution trouvée par votre cour, et oublie que la conviction qui ressort de l'arrêt de 1962 et la nécessaire stabilité des frontières et le respect de l'intégrité territoriale. Au-delà de l'argument conjoncturel développé par la Thaïlande, cela revient à dire qu'une décision de la Cour ainsi envisagée manque de fondement solide, serait purement intuitive et se révélerait arbitraire. C'est donc aussi un manque de respect pour le travail de la Cour. Bien évidemment, cette démarche inversée, proposée par la Thaïlande dans le raisonnement de la Cour en 1962, ne doit rien au hasard, puisqu'il s'agit d'instiller le doute sur ce qui fut la démarche du juge et, d'une certaine manière, d'insinuer la nécessaire refonte de l'arrêt qui, si elle ne peut s'opérer stricto sensu, pourrait ressortir de l'interprétation que votre cour pourrait adopter. Quelle est donc la tentation de cette refonte de l'arrêt de 1962 ? La Thaïlande sait pertinemment que le processus d'interprétation de l'arrêt de 1962 ne peut en aucune manière conduire à une refonte de cet arrêt.
et que la mission de votre cours est d'éclairer les parties sur le sens et la portée de celui-ci. Néanmoins, à travers le cumul de nombreux éléments, une fois de plus, elle tente une remise en cause du processus qui s'est déroulé entre 1959 et 1962 et n'hésite pas à revenir sur des faits antérieurs à cette période, alors que, comme nous le savons, la Cour ne peut prendre en compte que la décision telle qu'elle existe à partir du 15 juin 1962. Pour ce faire, et d'une manière une nouvelle fois étonnante, la Thaïlande opère un découpage entre le processus qui s'est déroulé de 1959 à 1962, dont elle fait grand cas en reprochant au Cambodge de ne pas en tenir compte, et l'arrêt lui-même dont elle ne souhaite lire que le dispositif, clair comme de l'eau de roche, sans aucunement s'arrêter sur ses motifs. Étrange éviction, une nouvelle fois, de ce chaînon manquant, alors que l'arrêt, mais tout l'arrêt, se suffit à lui-même. Ce n'est pourtant pas l'avis de la Thaïlande qui, dans de nombreux passages, revient sur des éléments discutés avant que la Cour ne rende sa décision. Il en va ainsi d'une discussion inutile sur le nombre de mètres entre la sortie nord du temple et la frontière, ou sur la correspondance entre la frontière et la ligne de partage des eaux, ou encore sur différentes cartes entre 1908 et 1962, etc. Ceci est inutile, puisque en 1962, votre cour nous dit en substance « Peu importe où est la ligne de partage des eaux, puisque les deux parties ont accepté que la frontière passe à un certain endroit figuré sur la carte de l'annexe 1. » À cet égard, il est d'ailleurs possible de se reporter aux documents produits par la Cour elle-même au moment du prononcé de l'arrêt. Ainsi, et même s'il ne s'agit pas d'un document officiel, mais émanant quand même du greffe de la Cour, la fin du communiqué résumant l'arrêt est significative. C'est le document désormais à l'écran. En conséquence, la Cour s'estime tenue de se prononcer en faveur de la frontière indiquée pour la zone litigieuse sur la carte de l'annexe 1 et il devient inutile d'examiner si cette frontière correspond bien à la véritable ligne de partage des eaux. C'est pour ces motifs que la Cour adjuge au Cambodge ses conclusions concernant la souveraineté sur Preahvihar. On peut noter que la solution énoncé dans le dernier paragraphe découle totalement du paragraphe qui précède, ce dernier traitant de la frontière, de la carte de l'annexe 1, de la zone litigieuse, alors que la conclusion cite Preahvihar comme étant un lieu, une zone, sans même que le temple soit une nouvelle fois cité. Au-delà, cela confirme la conviction du Cambodge, comme ce fut déjà souligné par mon collègue Ronman Bondi, qu'il est totalement inutile aujourd'hui de rouvrir le débat sur la ligne de partage des eaux, puisque votre cour doit partir de ce qui a été décidé en 1962. Et c'est bien là la différence entre le Cambodge et la Thaïlande. Le Cambodge part de 1962, alors que la Thaïlande veut partir de 1904 pour arriver de nouveau à 1962. Et comme la Thaïlande parle très peu de ce qui s'est passé après 1962, et encore moins à partir de 2007, on peut en déduire que pour elle, l'histoire s'arrête à son échec de 1962. Mais la Thaïlande va plus loin, en insinuant qu'une révision de l'arrêt aurait été possible si les conditions avaient été réunies. Car elle sait pertinemment que ceci n'est plus possible. À travers l'invocation de documents récents trouvés dans les archives du ministère français des Affaires étrangères. Certes, juridiquement, elle ne peut aller plus loin, mais elle remet bien en cause de cette manière la pertinence de ce qui a été décidé en 1962.
Sans doute, cette tentation est-elle la plus apparente dans la dernière conclusion que la Thaïlande formule dans son supplément d'information, puisqu'elle demande à la Cour de, je cite, « déclarer formellement que l'arrêt de 1962 n'a pas établi que la ligne de la carte de l'annexe 1 constituait la ligne frontalière entre le royaume de Thaïlande et le royaume du Cambodge. » Elle demande en l'espèce à votre cour de rejeter une prétention que le Cambodge n'a pas, puisqu'il n'a jamais prétendu que la cour avait formellement déclaré ceci dans son dispositif. En revanche, le Cambodge confirme bien qu'il considère que la cour a reconnu la validité de cette frontière et l'a donc indiqué formellement dans ses motifs. Si la conclusion de la Thaïlande est bien d'affirmer que le rejet qu'elle souhaite concerne l'intégralité de l'arrêt, judgment, c'est-à-dire les motifs et le dispositif, et non simplement le dispositif, selon le sens littéral de sa conclusion, alors cette conclusion doit être clairement rejetée. Cette nouvelle conclusion pourrait ressembler à une forme de demande reconventionnelle, si jamais cela était possible, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit là surtout, une nouvelle fois, d'une manière pour la Thaïlande de faire dire au Cambodge qu'il demande plus que ce qu'il demande en réalité, en détournant ainsi le fondement de la requête, puisque cette conclusion de la Thaïlande concerne toute la carte de l'annexe 1, alors que le Cambodge a toujours circonscrit sa requête à la seule zone en litige. De même, selon la Thaïlande, le Cambodge demanderait que la ligne de la carte 1 soit, je cite, « incorporée dans le dispositif », ce qui n'est nullement le cas. Le voudrait-il que ce serait bien sûr impossible. Comme le Cambodge l'a déjà longuement expliqué, il demande seulement à la Cour d'interpréter le dispositif de l'arrêt de 62 à la lumière des motifs essentiels, en l'espèce du motif essentiel de son arrêt. Ces motifs reconnaissent l'existence d'une frontière déjà délimitée et acceptée entre les deux parties, la Cour considérant en 1962 que la carte de l'annexe 1 était devenue partie intégrante du processus conventionnel et avait donc une valeur conventionnelle. Dès lors, il paraîtrait bien étrange que la Cour puisse formellement déclarer, pour reprendre l'expression de la Thaïlande, que l'arrêt dans son ensemble n'indique pas une telle ligne frontalière. J'en viens au dernier point, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, membres de la Cour, sur la question de la lecture constante par le Cambodge des paragraphes 1 et 2 du dispositif d'une manière simultanée. Un des thèmes développés par la Thaïlande à de nombreuses reprises serait la contradiction entre la requête initiale du Cambodge, qui porterait uniquement sur le paragraphe 2 du dispositif, et ses développements ultérieurs qui introduiraient un autre différend en liaison avec le paragraphe 1 de ce même dispositif. En effet, selon la Thaïlande, dans sa réponse du 8 mars 2012, le Cambodge aurait changé de position car la requête du 28 avril 2011 se focalisait sur le paragraphe 2 du dispositif alors que le Cambodge chercherait désormais à résoudre un différend sur le paragraphe 1 de ce dispositif, ce qui serait incohérent. De plus, toujours d'après la Thaïlande, le Cambodge ne demanderait désormais qu'une décision sur la carte, sur la zone en litige, ce qui serait différent puisqu'il aurait demandé une décision sur toute la carte de l'annexe 1 avant. Ceci n'a bien sûr aucun fondement, puisque le Cambodge a toujours demandé une interprétation sur la zone en litige et non au-delà.
l'aurait-il voulu que votre cour ne pourrait de toute façon le faire, il s'agit une nouvelle fois de convaincre votre cour que le Cambodge introduirait sans cesse de nouvelles revendications sans rapport avec le dispositif de l'arrêt de 1962, comme le reflète la question des 4,6 km², dont la Thaïlande feint qu'il s'agisse d'un nouveau différend, alors qu'elle a elle-même invoqué ce périmètre pour délimiter le différend, ou encore que cette requête concernerait l'exécution d'un arrêt et non son interprétation. Ce que souhaite justement le Cambodge est la liaison entre les paragraphes 1 et 2 du dispositif dans l'optique d'une interprétation globale du dispositif sur la base des motifs. Le dispositif doit être lu en entier et la lecture faite par la Thaïlande a pour objectif de nier les conséquences que la Cour tire logiquement du constat fait dans le premier paragraphe, comme ceci a été souligné par mon collègue Sir Franklin. La Thaïlande tente ainsi de minimiser le lien entre les deux paragraphes du dispositif et oublie trop souvent l'expression « en conséquence » qui fait la jonction entre les deux. Mais ceci est récurrent puisqu'un oubli semblable s'était produit lors des plaidoiries orales dans le cadre des mesures conservatoires, dont on nous avait dit qu'il s'agissait d'une simple erreur, mais qui visiblement se répète, ce qui devient significatif, mais également inquiétant. Quoi qu'il en soit, les deux paragraphes sont bien sûr inséparables, et c'est bien ce que la Cour a signifié dans la logique de son raisonnement concernant le paragraphe 2. Les troupes doivent se retirer d'une manière continue des environs du temple situé sous la souveraineté du Cambodge, autrement dit, jusqu'à la limite entre les deux États et encore plus précisément jusqu'au territoire thaïlandais. Car dans la notion de retrait, il y a bien celle de déplacement jusqu'à un certain point, comme ceci fut précisé ce matin. Rester aux abords du temple n'est pas un retrait des environs. Comment connaître cette limite ? Comment savoir jusqu'où ce déplacement doit s'opérer ? Le seul élément objectif de l'arrêt qui permet de savoir où finit le territoire sous souveraineté du Cambodge, sur lequel se trouve le temple, et où commence le territoire thaïlandais, est précisément la carte de l'annexe 1, la ligne de la carte de l'annexe 1, que votre cour reconnaît comme étant la limite pertinente et acceptée entre les deux États. Il n'est donc pas possible de la passer sous silence ou de comprendre l'arrêt de 1962 sans en tenir compte. Sinon, il est impossible de savoir jusqu'où ce déplacement, ce retrait doit s'effectuer et l'arrêt devient dès lors peu compréhensible. Voilà qui répond sans doute à un reproche fait par la Thaïlande au Cambodge qui, selon cet État, ne répondrait pas à la question de la signification du terme « environ ». Comme précisé dans la réponse du Cambodge, il paraît inutile d'en chercher les multiples significations dans pléthore de dictionnaires, car seul le sens que la Cour a souhaité donner à ce terme importe. Et pour le Cambodge, ce sens ne peut qu'être lié à l'ensemble de ce que votre Cour constate et décide dans son arrêt de 1962, et notamment à l'injonction de déplacement des troupes thaïlandaises au-delà d'une certaine limite, celle du territoire sous la souveraineté du Cambodge. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour, comment le Cambodge comprend et interprète votre arrêt du 15 juin 1962. Il le comprend et l'interprète d'une manière logique, cohérente et conforme à un raisonnement déductif basé sur un ensemble de constats, d'interprétations
et de décisions successives aboutissant au dispositif. Visiblement, la Thaïlande ne le comprend pas de la même manière et, pour le moins, devrait-elle admettre qu'il existe un différend sur l'interprétation de votre arrêt. Il appartiendra à votre cour de donner la bonne interprétation, la seule possible, et c'est en toute confiance que le Cambodge s'en remet à votre jugement. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour, pour l'attention longue que vous avez bien voulu porter aux arguments développés par le Cambodge. Je vous remercie, Monsieur le Professeur Sorel. Voilà qui met un terme au premier tour de plaidoirie du Royaume du Cambodge. La Cour se réunira de nouveau le mercredi 17 avril à 10h pour entendre le Royaume de Thaïlande en son premier tour de plaidoirie. L'audience est levée.